Et yop tout le monde les gars, ici Gabriel Hachi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les applications qu'il faut impérativement avoir sur sa boutique Shopify. Alors ces applications, certaines sont payantes, certaines sont gratuites, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors juste, on va partir sur, comme vous savez, la boutique test qu'on utilise à chaque fois dans les vidéos. Ok, donc ici. Ok, ici. Alors. Et certaines applications donc sont primordiales pour votre boutique, mais également qui vous permettront d'améliorer et de passer même de scaler votre business et également de passer votre business à un niveau supérieur. Alors, comme vous l'en doutez, la première application que je vais vous proposer, ce sera Oberlo. Alors, moi, Oberlo, personnellement, je n'utilise pas. Je l'utilise, mais sur quelques-unes de mes boutiques. Ok, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser. Alors, voilà, comme vous voyez, c'est gratuit à partir de 50. Donc, c'est gratuit à partir. Enfin, jusqu'à 50 commandes par mois, mais après il faudra payer, comme vous savez, 29$ par mois. Ok, mais sinon, cette application est vraiment voilà, pas mal du tout. Même qu'on peut trouver de meilleurs produits sur Oberlo concernant la livraison, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, voilà, commencez avec Oberlo et après vous pourrez changer avec la deuxième application. Donc c'est juste une alternative d'Oberlo, c'est Dropify. Voilà, Dropify. Voilà, donc c'est un peu comme Oberlo, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais vraiment ça automatise vraiment tout, ok. Avec Oberlo, en fait, faut que vous, voilà, vous, vraiment, avec Oberlo, vous avez une petite, voilà, c'est ça. Vous avez une petite icône comme ça. Voilà, il faut importer, modifier sur la boutique, etc. Alors, juste avec Dropifil, vous appuyez juste ici et ça importe directement sur la boutique. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, commencez avec Oberlo. Après, vous pourrez passer à Dropifil. Donc, Dropifil, c'est à 47$ par mois. La deuxième application, ce sera tout simplement les reviews. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est Looks Photo Reviews. Alors c'est payant, mais franchement vous pouvez vraiment augmenter votre taux de conversion, parce que alors même on voit ici déjà là, c'est bien optimisé en fait. On a des photos qui sont de la même taille. Des avis qui peuvent être dans la publicité Facebook, sur votre compte Facebook, des avis qui peuvent être en pop-up ici, ok, pour montrer la social proof comme ils disent, et même sur Google. Donc en fait c'est un peu un tout en un qu'on a dans cette application pour 9$ par mois. Et j'ai envie de dire 9$ par mois, c'est vrai que ça peut sembler beaucoup pour les débutants, mais vous allez voir que voilà, il suffit de juste faire une vente et vous allez pouvoir payer ceci. Donc voilà. Après, ceux qui ne veulent pas peut-être payer, moi ce que je vous conseille, c'est AliReviews. Il y a également des personnes qui utilisent Product Reviews ici. Et moi je vous conseille AliReviews, prendre le plan même à 9€ par mois. Mais voilà, pour commencer, parce que c'est vrai qu'avec AliReviews, vous avez la mention Powered by AliReviews en fait sous les produits en fait. Enfin, sous la barre où on peut écrire les avis. Donc c'est vrai que ça n'a pas rendu professionnel, mais moi je vous conseille vraiment d'utiliser Look, surtout que vous avez 14 jours d'essai gratuit, ok. Donc il suffit que dans ces 14 jours vous faites une vente pour rentabiliser tout simplement les 9,99€, ok. La troisième application, ce sera Hurify. Qu'est-ce que c'est Hurify? C'est en fait un timer pour l'urgence à mettre sur votre site. Okay. Donc voilà, il y a 2 jours d'essai gratuit,
C'est 6,99€ par mois. C'est vrai que c'est un peu cher quand même. Voilà, donc ça a rendu comme ça. Mais le truc, c'est que vous êtes là, je suis sur le proof. Voilà, il y a 250 personnes qui regardent. Vous avez également de l'urgence, d'exclusivité, parce que, voilà, par exemple, je sais pas, vous dites 190, enfin, je veux dire, je sais pas, il reste 190 en stock. Vous montrez également, voilà, la social proof des personnes qui ont acheté, et également une urgence, ok? Donc, on a également la tout en un, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais juste vous montrer, est-ce que. Je sais pas si c'est son site. S'ils ont le site, on peut voir le... Non, je pense pas. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ça ressemble à ça. Alors, après, si vous voulez pas dépenser, vous pouvez bien évidemment prendre Bikitin. Bikitin. Timer. Voilà, c'est gratuit. Mais ce n'est pas, en fait, ce. Comment ça? Ce tout en un là avec la social proof, etc. Ok. Mais voilà, c'est simple, efficace. Voilà. Par exemple, ici, on va aller là. Là, par exemple, enfin, si ça fait la social proof, le stock, c'est pas forcément comme tout simplement Refy qui fait en quelque sorte un peu tout en un avec le stock, la social proof, ceux qui regardent, etc. Donc, moi, je conseille Refy. Voilà, il suffit comme looks deux ventes ou même une vente pour rentabiliser le tout. Donc je vais accélérer juste un petit peu parce que j'ai pas envie de trop de m'attarder là-dessus. Surtout peut-être, voilà, vous regardez juste les applications. Bon, la troisième application, ce sera SalesPop by Bikitin. Ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça avec 16 772 reviews. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre en fait de mettre des petits pop-up ici. Pour montrer également encore la social proof. C'est très important de montrer la social proof, c'est-à-dire la preuve sociale, pour en quelque sorte montrer aux gens qu'ils sont, voilà, ils sont pas seuls sur le site. Il y a des personnes qui achètent, il y a des personnes qui regardent, pour montrer que voilà, si elle a acheté, moi aussi je peux acheter, ça peut changer ma façon, voilà, ma vie, la façon dont je fais certaines choses, etc., etc. Voilà un peu à quoi ça ressemble, surtout qu'avec SalesPop, on peut avoir différents thèmes. Donc là, en l'occurrence, c'est le thème de Noël. Mais vous pouvez avoir Happy New Year, Black Friday. Donc là, c'est Black Friday, vous voyez. Là, également, vous avez. Ça, c'est plutôt pas mal, ces nouvelles fonctions. C'est le fait d'ajouter. Là, comme sur Horrify, par exemple, 12 personnes viennent d'acheter. Il y a 24 heures, par exemple. Là, voilà, pareil pour ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas bombarder à chaque seconde une pop-up. Moi, ce que je vous conseille, c'est 30 secondes par pop-up. Ça va faire beaucoup plus professionnel. Ok? Donc, voilà la troisième application. La quatrième application, ce sera Frequently Bought Together. Ça va vous permettre de faire des upsells. Ok? Franchement, c'est plutôt pas mal. Là, pareil, c'est le même prix que. Pour Unify, donc là une ou deux ventes et c'est fini. En fait, c'est quoi? En fait, ça va vous permettre. Voilà, par exemple, voilà, là ils vendent juste une casquette. Bah, par exemple, voilà, ça va faire ça. Donc, ça veut dire que voilà, si j'achète une casquette, la plupart des personnes achètent aussi des chaussettes et un t-shirt. Et après, vous pouvez faire également un prix sur tout ceci. Voilà, donc ça permet également de faire des upsells et d'augmenter votre panier moyen et votre valeur par client. Voilà. La cinquième application, ce sera une application facultative à ajouter. Moi personnellement, je ne l'ai pas ajoutée, mais ça peut être plutôt pas mal en fait pour engager votre communauté. Ce sera tout simplement SpinCell. Alors qu'est-ce que SpinCell? C'est en fait c'est ce genre de roue que vous tournez pour obtenir des cadeaux, etc. Ou voilà, etc., etc. Par exemple, voilà, je sais pas, 20%. De promotion, quoi d'autre, la livraison gratuite, etc. Alors là, ça permet d'engager votre la personne qui vient sur le qui vient sur votre site, mais je vous conseille pas de trop mettre ça. Voilà, je vous conseille pas de mettre ça dès que la personne arrive sur le site. Je vous conseille de mettre ça là un peu comme SalesPop, entre 20 et 30 secondes pour que voilà, la personne déjà elle arrive, elle s'installe en quelque sorte, elle comprend comment votre site marche et après, voilà, peut-être
interagir avec elle. Mais c'est une application vraiment facultative. La sixième application, ce sera MailChimp. Alors, MailChimp. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est MailChimp? C'est en fait une application qui va permettre d'envoyer des mails à vos clients. Ok. Également, en fait, de créer des pop-up sur votre site. Donc là, vous pouvez en fait automatiser les mails tout simplement et créer en fait des mails personnalisés grâce aux différents templates et différents modèles que peuvent bénéficier MailChimp. Ok. Donc là, vous voyez, c'est optimisé d'ailleurs. Vous voyez. Là, on a la petite icône ici, etc. Le petit encart pour mettre l'email. Là, pareil. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est également un tout en un. Voilà, je recommande en tout cas. Donc là, vous avez, comme on dit, c'est un plan gratuit. Donc là, vous avez, je crois, c'est au bout de 50 000 emails, je crois. Ou non, c'est plus comme avant, parce qu'avant il fallait attendre 50 000 emails et après on payait 9 € par mois. Mais là, là en fait c'est gratuit, donc c'est plutôt pas mal. Alors après là, ce sont vraiment des fonctionnalités pas vraiment importantes qui sont rajoutées, mais vous pouvez également prendre le plan à 19 € ou à 9 € par mois. Alors après, pour ceux qui veulent, ceux qui sont plus avancés dans ce qui concerne l'email, je vous conseille Klaviyo. Klaviyo, donc c'est la même chose que MailChimp, mais c'est juste que, donc là comme on dit, ça permettra de retargeter en fait sur Facebook, et donc du coup ça peut être plutôt pas mal, voilà, à mettre en place. Donc, c'est la même truc que sur MailChimp, mais je veux dire voilà, c'est, vous pouvez vraiment tout automatiser, vous avez même quand le panier est abandonné, comment réagir, quel mail envoyer, à n'importe quelle heure, enfin à différentes heures de la journée, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup plus complet en quelque sorte que MailChimp. Vous pouvez commencer avec MailChimp, bien évidemment. La septième, la septième application, ce sera Conversio. Alors, je crois que c'est ça, oui. Donc, Conversio. Voilà. Conversio. Donc là, c'est également un peu comme tout simplement comme un peu MailChimp et Klaviyo, mais en fait, le truc, c'est que ça vous permet en fait de rendre votre parce qu'en fait après qu'un client vous achète quelque chose, automatiquement Shopify envoie un email qui n'est pas forcément optimisé, qui n'est pas forcément attrayant, qui n'attrape pas l'attention de la personne. Et là en fait, c'est ce qui va permettre, donc lorsque une personne a terminé d'acheter sur votre site, bah, d'envoyer un peu ces emails un peu amusants, un peu qui attrape l'attention de votre utilisateur. Parce qu'en vrai, le mail qu'envoie Shopify, c'est juste, voilà, c'est blanc, c'est basique, mais voilà, c'est pas vraiment attrayant, c'est pas ça n'attrape pas l'attention. Mais ça va permettre de faire Klaviyo. Donc là, voilà, personnaliser vos emails. Voilà, par exemple, là, je sais pas, il a acheté ça, voilà, par exemple, là, ici, la personne a acheté quelque chose et elle reçoit 300 points, voilà, qui va lui permettre peut-être d'échanger ses points contre des produits, des codes promo, etc., etc. Donc, très bonne application. Donc là, 30 jours gratuits et 20 $. Donc là, peut-être 2-3 ventes avant de pour pouvoir payer l'abonnement, mais voilà, c'est pas énorme, énorme. Ensuite, après Conversio, ce sera Facebook. Et là, on arrive à la dernière application, Facebook Chat. Donc là, c'est la huitième. By Picketing. Alors, vous pouvez également taper. Donc,
Je vais mettre Facebook chat. Ting. Ok. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, c'est auto-getting, mais c'est la même chose que big-getting. Ce que ça permet, ça va vous permettre en fait d'avoir un support en quelque sorte client qui va vous permettre. Donc là, je sais pas, le client il a une. Il doute sur quelque chose, mais il pourra tout simplement vous contacter par l'intermédiaire de la petite application là. Donc là, par exemple, pose une question, comment ça marche, les livraisons, etc. Donc ça, c'est plutôt puissant parce que le client, voilà, il va pas passer par la page contact, entre son email, le message, recevoir la réponse après 24 heures. Non, là, vraiment, c'est direct. C'est instantané. Alors, même des fois, vous pouvez également automatiser tout ça, c'est-à-dire, vous créez une sorte d'FAQ dans le chat, et en fait, le client peut voir directement sa réponse au lieu de la poser, directement à vous. Okay, donc là, c'est meilleur parce que le client trouve lui-même sa réponse, et voilà, ça va être plutôt pas mal. D'accord? Donc voilà un peu pour les applications que je vous conseille, qui sont un peu primordiales pour votre boutique. Donc là, c'est gratuit en l'occurrence, Facebook Chatbox. Mais voilà, ça peut vraiment augmenter, donc, comme on dit, vos revenus et vos ventes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. À me dire tes idées de vidéo en commentaire. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Gabriel. Ciao tout le monde.